Alors, faisons cette fois-ci un rappel sur l'anémie mégaloblastique. Sur la formule, on retrouve une anémie. Cette anémie, elle est macrocytaire, car le VGF est supérieur à 100 fetolitres. Elle est normochrome, vu que le CCMH est normal, alors que le TCMH est élevé. En fait, le TCMH est toujours proportionnel au VGM. Le taux de réticulocytes est inférieur à 120 000 par 1000 mètres cubes. Donc il s'agit d'une anémie macrocytaire normochrome à régénérative. Les taux de globules blancs et de plaquettes sont normaux, mais on peut parfois observer une légère leukoneutropénie et ou une légère thrombopénie. Mais ces leukoneutropénies et thrombopénies ne sont jamais associés à des syndromes infectieux ou hémorragiques. Sur le photitisme, on peut retrouver une anisocytose, c'est-à-dire une variation de taille des globules rouges. Une poïkilocytose, c'est-à-dire des globules rouges de forme variable. Une macrocytose. Voire des mégalocytes, c'est-à-dire des globules rouges géants. D'autres anomalies peuvent s'observer, à type de polychromatophilie, qui sont des globules rouges de couleur bleutée. Voire même des inclusions intra-érythrocytaires, telles que les corps de Joly, qui sont des restes de noyaux dans les globules rouges. Des anneaux de Cabot, qui sont des structures à l'intérieur des globules rouges et qui sont dues à des vestiges de fuseau chromatique. Les polynucléaires sont hypersegmentés, vu que la majorité d'entre eux possèdent 5 à 6 lobes. On parle alors d'une formule d'Arnett déviée vers la droite. Mais qu'est-ce que c'est qu'une formule d'Arnett? Il s'agit d'un examen cytologique développé en 1903 par un hématologue allemand appelé Joseph Arnett, et qui consiste à faire une répartition des polynucléaires selon leur nombre de lobes. Chez un sujet sain, 75% des polynucléaires neutrophiles ont 2 à 3 lobes. Et si le nombre de polynucléaires neutrophiles possédant plus de 5 lobes dépassent les 10%, on considère la formule d'Arnett comme étant déviée à droite. Ce test n'est plus pratiqué en routine, vu qu'il est fastidieux et nécessite beaucoup de temps. Les plaquettes peuvent être aussi de grande taille. On peut même observer des plaquettes géantes. Sur le myélogramme, on retrouve une moelle osseuse qui est riche, intensément bleue, vu la basophilie des cytoplasmes et des signes de dyserythropoèse, à type de mégaloblaste. Un mégaloblaste est une cellule de grande taille, à cytoplasme basophile, bleu. Le noyau est à chromatine perlée, c'est-à-dire on a l'impression qu'il existe des perles dans le noyau. Il existe un asynchronisme de maturation nucléocytoplasmique, c'est-à-dire le noyau qui est à chromatine fine, jeune, alors que le cytoplasme est bien hémoglobinisé. Des dystrophies cellulaires peuvent se voir sur les autres lignées, à type de myélocytes et de métamyélocytes géants. Les mégacaryocytes peuvent être aussi de grande taille et hypersegmenté. La bilirubine et le taux d'LDH peuvent être élevés, alors que la ferritine elle peut être normale ou légèrement élevée. Ce sont les stigmates d'hémolyse intramédulaire. Enfin, le diagnostic positif est posé sur les dosages vitaminiques. Concernant les folates, le taux normal varie entre 5 et 15 microgrammes par litre. Mais on considère qu'il existe une carence en folate lorsque ce taux est inférieur à 4 microgrammes par litre. Mais la carence en acide folique est mieux appréciée
sur le taux des folates intra-érythrocytaires, qui traduit une déplétion importante et ancienne, alors qu'une baisse du taux sérique traduit un déficit plus récent. Pour la vitamine B12, les valeurs normales varient entre 200 et 500 nanogrammes par litre. Et on parle d'une carence en vitamine B12 lorsque le taux de vitamine B12 est inférieur à 200 nanogrammes par litre.